réel nous. Nous réalistes, parce que nous constatons la situation que nous vivons. Et dans la situation que nous vivons, la freine actionne, qui n'a pas qu'à manger, qui est dans une situation difficile, il faut faire un consensus pour que nous jouions une amélioration. Mais nous ne cherchons pas une amélioration. Nous cherchons un minimum de vie correct pour la population. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens-là, lorsque vous posez question sur la question de production, moi, dis, il faut premièrement régler la question de la sécurité foncière, mettre le crédit à disposition et l'État détermine ce dont il a besoin pour réduire le déficit commercial. Et Massuro, PIB nous actuellement qui a 8 milliards. Si nous prenons 5 ans, nous avons doublé PIB. Sénateur, je vais vous dire une question à Saint-Michel. Là. Moi, je pense que le troisième acteur, que, ou peut-être, bah, on est, ou bien pas cité, bah, on est, sous terre, quand pile terre Savadiane, qui est sous commune la Caïmo, un département pas nous, moi, je connais le troisième acteur qui dit terre aussi pour vous et m'a demandé si moun sa yo c'est yo pas dépossédé yo, ça veut dire on prend terre ou nan mer. C'est par exemple ensemble de paysans Saint-Michel, par exemple donc une organisation Soufa par exemple. Oui. Mais ce Soufa dit c'est lié au scandale parce que l'État te grandant loué au terre, l'État te mais finalement c'est si l'État te loué au sénateur. Si m'imagine si dans condition légale normale, tu es assez pour yo. Troisième acteur ça sénateur je dis au prend terre ou nan mer. Non, ça dit que son abus. Yo pa gen droit l'état pa gen droit ba été et puis après il fait concession. Mais dis-moi Saint-Michel sous chef de main qui ça n'a fait cela. Ah mon cher, ou connaît moi même partisan d'un état fort. L'état avait pris des engagements, ces engagements doivent être respectés. Ah mon Saint-Michel de l'espoir dire aussi. Et spécialement mon Sofayo. Écoute. Ouais, pendant m'a dou ça là, eh bien moi même c'est ça qui force moi c'est que moi connais qui engagement que l'état te prend, il faut le respecter oui. L'État n'a pas pris engagement et l'État dit en l'autre monde que moi bah ou tout. Mais est-ce que là pas gain moyen pour que nous joignons un consensus puisque d'aller sous terrain, on te garde me te soufa, en fait, on te voit conseil de travail qu'a fait et on explique que une quantité de gain plus terre qui vide toujours. Qui pour l'État, qui pour moi la famille monsieur qui a dirigé l'université de Douagounaïvio, la famille Dubiton, je parle de plusieurs familles, des joies Dubiton et l'État. Je dis, mais c'est trois groupes ça qui sont censés plus de l'autre bon. Est-ce que pas de tête toujours, puisque il y a vide? Mais ça, c'est souvent pas l'État, le lit enferme au terre. Vous êtes fermier de l'État. L'État, comment pour le vendre en terre? Pour l'État vendre en terre, il faut que le Parlement ratifie l'acte de vente là. Donc, c'est pas mal qui arrive facile. Donc, grand pile fermier de l'État depuis environ 50 ans, 60 ans, il y aurait été des fermiers de l'État. Et l'État, pas qu'on archive, pas qu'on bagaille, m'gado sécurisé, informatisé. Donc, l'État qui a fini loin mon et puis après le directeur monté, il dit que, ah, ça c'est pour l'État, monsieur Zaksouli, et puis, il l'ouel. Ce qui arrive à Savanjan, moi, pense qu'il y a plusieurs bagailles qui ont fait. Si qu'on monte à 13 carottes, l'État veut les bagailles. C'est 23 000 hectares, oui, qui est Savanjan. Savanjan, c'est entre l'Antibonite et le Sandoui. Exactement. C'est de Saint-Michel à Maïsadoui. Ouais. Donc, sous tes grands fins de bain de terre, que vous avez tel, l'autre. On va oublier de posséder. Et c'est ça qui fait des frustrations très graves dans ce pays, qui fait que le plus souvent, vous pensez qu'il y a deux catégories de monde. Ouais, Mgado, les gens de York, ouais, et les gens humains. Et puis, les ça, ou vient une frustration qui a créé de par le fait des décisions étatiques. Et l'État, ça a comment vous yo change un directeur contribution, gon l'autre directeur domaine, et puis le considérer quelquefois l'annuler tout ça que tu fais. Alors que l'État te prend des engagements. Mm-hmm. Donc, moi pense, et c'est peut-être ça, Val, moi parler dans le programme que nous avons en Haïti en action de la sécurité foncière. Un grave problème, ça n'a pas là. Si nous regardons des questions de diaspora, des gens qui achètent terre ici. Ils volent terre. Ils volent terre. Yo voye construire sou yo moun yo voye construire al prend cob là et puis yo vole tè moun yo. Donc comment fait que on disons on diaspora qui évalue entre 2 millions et 3 millions de monde qui gon épargne de 32 à 40 milliards de dollars. A dit cob yo gen la banque. Et puis yo vle vin investir dans pays ça le fait que tè pas assuré yo pa gen insécurité foncière. Ils peuvent venir investir. Et puis, il y a un pile haïtien qui dit, je vais investir dans le domaine Martinique. Alors que, je ne crois pas que la diaspora, disons, dominicaine, ait autant de parts. Parce que les haïtiens, ça le fait. Leur lab travail, ils sont serrés comme lui pour que leur vini, ils aient une retraite là.
et puis li ka voyager, li ka vin en Haïti, li ka aller en France, li ka l'autre côté. Et là on parle de épargne et de diaspora nous, hein? Mais nous pas parler de tout le monde qui a pris en retraite yo, qui a capacité avec comme ça pour venir investir en Haïti, non. Mm-hmm. Donc le premier problème en Haïti, c'est pour moi, même j'en ai la sécurité publique côté des quatre départements aujourd'hui qui bloqués, des départements et la Tibonique qui a un problème, Nord qui a un problème. La sécurité foncière, c'est quelque chose qui doit être résolu de la première année de mandat. Mm-hmm. Ou pas engager une non-transition. Non, il faut une légitimité et moins d'où qui quoi seulement a besoin. Parce que, il y a des gens qui disent, il y a dans l'État, il y a l'État. Si on dit que vous avez 10 000 jeunes, vous allez payer 4 jeunes comme ça. Bon, mais sénateur, sous ça, pendant que vous avez vu ce jeune, écoutez, vous avez une expérience dans l'État, moi-même, j'ai des droits d'informations que j'ai et tout, dans le pays, je observé. L'État, son État, je dis exclusivement partisan. Mm-hmm. Vous avez l'impression dans le pays, ça. C'est le monde qui a l'argent, c'est le plus grand importateur, c'est le pas payé. Parce que. C'est un état raqueteur. Ok. C'est lui qui paye des GI. C'est mon qui a plus l'argent, c'est lui qui paye. Ça veut dire, son état à côté que c'est mon, c'est pauvre, c'est mon en dehors, mon qui paye moi, c'est lui-même qui a forcé payer. Mais mon qui a fait l'argent, qui a rentré l'argent dans le pays, c'est pas lui-même l'état forcé payer pour capable, soit gêner de l'argent pour capable assurer l'eau. On t'a qu'à dire une sorte de sécurité sociale. Maintenant, est-ce que l'on connaît Jean l'État ça a fonctionné? C'est mon qui est pauvre. C'est comme si on t'a qu'à dire une dynamique de dents pourri, qui est force sous bon ennemi. Est-ce que si on t'a jeune on équipe qui est solide, qui a une vision, qui, je ne pas dire pas des amis, non, mais qui est sérieux, ça veut dire qui sont serviteurs qui viennent là et disent, monsieur, viens travailler. Comme nous avons fait l'argent dans le pays, il y a nous besoin de sécurité, nous besoin de route. Si nous n'avons pas l'espace, nous n'avons pas fait route. Il faut nous payer. Est-ce que 10 000 jeunes, ça, nous n'avons pas besoin de comme à l'intérieur pour nous payer? Parce que, au cours de l'exemple, disons, sénateur, les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des terres. Mais pour ça, nous avons dit ça. Oui, comprenez ce que je dis. Pas oublier, je parle de en première année en présidence. De première année. Pour changer la question du code fiscal, là, premièrement, pour toucher tout le monde. Pour tout le monde payer. Mm-hmm. Parce que la fiscalité en Haïti jusqu'à présent, c'est une fiscalité déclarative. Déclarative. C'est-à-dire, je dis à ce moment-là, déclarer, bah, et pas de problème. Si que vous venez pas déclarer son amende. Alors que, aux États-Unis, son fiscalité criminelle. Déjà, pour aller chercher l'agence, c'est la. Ah oui, hein? Depuis le fait que les déclaratives. Oui. Est-ce non. Que l'État n'a pas de tête, dis-moi, il va chercher l'agence, oui, mais le monde, toute fiscalité dans tout le pays est criminel. Et vous voyez, le criminel là, vous n'avez pas même besoin de chercher l'agence. Jodi a 30% moun ki paye, 70% pa paye. Ou est-ce le criminel, ils ont 10% ka paye. Mais c'est peut-être plus. Ah oui, peut-être plus même. Mm-hmm. Donc, moi-même, je comprends ce que je dis. Je parle d'une première année, il y a des pays qui disent que je bon aide. Mais l'on pays dit la bon aide. Et pas ça le bon yon m'apprenne, non? C'est son vrai. Non, m'a dit que nous avons un programme de sécurité foncière. Nous allons envoyer 10 000 jeunes, nous allons plan cadastral, souvler, aidez-nous, c'est dans ça pour aider-nous. Et dans ce rapport de nous, nous avons besoin de jeunes pendant 2 ans pour assurer leur formation et leur paiement. Donc, nous avons pendant 2 ans, après 2 ans, nous avons besoin de ça encore. Parce que nous avons réglé la question qu'elle sera loin dans le pays. Et l'homme fin dit ça, si vous besoin, si vous ne voulez pas, vous mettez à aller. Parce que nous avons fini, nous avons fait l'école pour nous, professeur. Nous avons fait l'école pour nous, pas de route. À la fin, c'est Cabri qui va courir la donne. Donc, moi-même qui t'aime déterminé pour nous, ça me besoin. Développement du parti à partir de sécurité foncière là. L'offre fait ça après 2 ans. Souvelez d'aim toujours son pays de bonne foi. M'abdou très bien. Maintenant, nous allons passer à la production nationale. Alors, la production nationale, c'est la production agricole. Mm-hmm. C'est la production industrielle. C'est la production artisanale. Dans la production agricole là, je n'ai pas besoin d'aide là-dedans. Dans la production agricole là, je vais aller par rapport à la banque de développement. Dans la production industrielle là, je besoin de compétences. Mgadou, j'ai besoin de 2000 jeunes, de 2 à 5000 jeunes pour me former. Mm-hmm. Et que jodi a au souka ouvert en l'école, eh bien technique pour me former jeunes ayo en dedans, c'est aide ça que j'ai besoin parce que dans production industrielle que m'va le faire, surtout agro-industriel, on prend par exemple. Jodi a m'a fait manger pour poule.
Mais ou qu'on aime pas jouer dans pile technicien dans pays qui a fait machine yo marché ou qu'on aime pas grand pile qui a contrôlé les questions manger à point. Eh bien, si je dis moi va passer dans agro-industriel, m'a besoin que l'État forme des jeunes que moi-même moi qu'en employé. Donc ça veut dire que chaque coup m'a déterminé avec international là qui ça me besoin. Et moi crois que si mon programme comme ça de 20 ans m'assure nous pas loin de Rwanda après 20 ans parce que on a un programme national que monsieur yo a aidé nous la donne et après n'a dit merci beaucoup parce que pays a li gagné parce que pas gagné en fierté dans mon apido mais fierté a li là dans développer capacité nationale nous. Aujourd'hui nous vivons dans l'assistanat et assistanat li passé de 50% 70% jodi a n'importe qui type pays dit à bord 25 000 dollars. Moi, j'ai entendu aide. Là, moi-même, j'ai 18 à 19 ans. Je suis aux États-Unis, qu'on a bâillé l'État ici 200 millions de dollars. Oui. Je dis à États-Unis, pas n'y a aucun coup direct au gouvernement. Non? Tout bâillé passé par USAID. Oui. Donc, ça veut dire que yo démembré l'État. L'État n'est plus cette instance, moi, j'ai dit fort, eh bien, hégémonique, qui lui-même responsable de développer capacité pour citoyens, c'est USAID qui a fait des programmes à côté et le plus souvent en dehors du programme national. Donc je crois que je dis à, il faut remembrer l'État. On a démembré l'État et pas pour rien, non? International qui démembre l'État, il fait contre corruption. Mais sénateur, ou la Croix Rouge, la Croix Rouge en Haïti vient à 500 millions de dollars au Bali, à peine s'il dépense 10 millions de dollars. Sénateur, est-ce que c'est la Croix Rouge internationale? Est-ce que c'est blanc, c'est étranger ou bien c'est international là qui démembre l'État? Non. Est-ce que c'est pas de préférence nous-mêmes? Parce que, sénateur. Non, bonjour là. Non, mais Clinton, le président Clinton a dit qu'il a pratiqué le dumping en Haïti. Mais qui est-ce qui te baille possibilité, sénateur? Attends. Qui lui a donné cette possibilité? Attends, je comprends. Ah, oui, sénateur. C'est l'État haïtien. C'est Von Clinton sous ça. L'État haïtien a donné la possibilité. Je suis d'accord. Mon connaît, monsieur international, ça y est. Justement, le yodio fait dumping là. C'est on presque yon kamete sur des dirigeants. Pour yon dire que ge tel bagay, on va accepter pour m'ka fon jenon et. Donc, yodia, c'est pas que c'est pas l'État haïtien qui c'est premier responsable, non. Mais on président américain, par rapport à un petit pays comme ça, ou d'où fait dumping pour qu'on ka éliminer du riz là, ça c'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Et Val Mbabal de retirer dirigeants haïtiens, non? Non, nous sommes responsables. C'est au premier. C'est notre meilleur culpa. C'est au premier, sénateur. Et je dis, ça m'a regardé. Il y a un pile de monde qui parle dans l'État. Ou un pile de monde qui est en dehors de l'État. Nous avons a priori. Nous avons dit, moi-même, moi n'ai pas gagné un à reprocher. Moi, j'étais en dehors de l'État, ma votre. Connais, n'est-ce pas? C'est l'homme dans l'État pour qu'on s'est passé dans l'État. C'est l'homme dans l'État pour que ou qu'on ait courage ou. Par exemple, soit font enquête pour que yo vienne offrir corps et boudou pas pour on va faire lui. Je dis à grand pile monde qui est en dehors de l'État, qu'on rentre dans l'État, c'est intéressant à faire oui. Ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la capacité. En pile monde dans pays a penser que c'est rester en dehors pour qu'a faufiler on le pour rentrer pas ça. Il faut faire l'expérience pour connaître cet État. Gien des mecs qui va le candidat à la présidence, yo pas connait sa budget ayé. Yo pas connait qui ça mon gars dire rubrique yo. Yo pa konnen ki sa l'état gen men pour faire développement. Yo pa konnen exactement mkadou la capacité nationale d'Haïti. Donc nan sans ça le nèg l'arrivé, li prend 5 ans avant de comprendre l'état. Et jodi a, moi pense que gen pile moun nan l'état qui konn l'état. Ça fait me dit son leadership collectif mais nous doué gen courage nous pour nous établir un état fort par rapport à cet international parce que jodi a premier bagage qui rivé là, c'était on laissait aller par rapport à l'international qui profitait de tout ça voulait parce que je dis à le deuxième importateur de riz et par rapport aux États-Unis c'est Haïti. Haïti qui importait plus du riz des États-Unis. Alors que autrefois c'était l'inverse en 86. Avant 86 nous étions exporté du riz. Oui, vers Saint-Vincent et même Miami. Donc je dis à alors pas dans l'intérêt des États-Unis que la vendre 400 000 tonnes du riz à Haïti et que fermier américain connaît que du riz que le faire le li mette 1 dollar l'état haïtien bal 50 centimes l'état et américain bal 50 centimes li mette 50 centimes li connaît que du riz là il a vinn vendre en Haïti alors pensez c'est consacré que pays yo c'est pas charité à faire pour nous
les États-Unis ont les intérêts. Les 400 000 tonnes de riz qu'il y a en Haïti, si on ne fait pas le fermier américain, côté de la vente, si jamais l'Américain ne va pas venir, c'est l'État fédéral qui va l'obliger à le cobrer pour compenser peut-être là. Donc il y a beaucoup de. Je ne vais pas parler de richesses et de cadeaux et du sous-sol. Donc je dis, comprenez bien, côté nous arriver là, il faut faire le constat. Et peut-être ça me dit, il faut idéaliste, il faut un gros projet pour le pays, il faut réaliste. Nous vivons au moment même avec de grandes difficultés. Cette pression de la communauté internationale, en tant que nous partageons entre nous, il faut nous rendre compte de ça pour nous aller étape par étape. Et bon côté d'un privé, quel que soit le monde, que le de droite, que le de gauche, moi-même, même si je ne suis pas à moi, son l'autre monde, dès que le cas arrive, je vais sur la ma batte bravo pour lui. Parce que je dis, ce qui est important, c'est que le pays nous sortit de la lumière. Et c'est ça fait, moi dis, dans le moment ça. Moi été signé un protocole dans tête là parce qu'il fallait trouver une entente pour que population ça car elle souffre et nous t'a fait révolution d'en faire par étape. Je l'ai dit au Québec, la révolution douce et tranquille, c'est les âmes nèg de prend les l'armée britannique fin baio yo réuni en intellectuel, yo dit on va transformer le Québec. Et en 94 yo manqué prendre indépendance. Le président Mandela, il te prend les âmes, il prend 28 ans en prison, l'heure le sorti, eh bien si nous et j'ai adopté la dit pas le chita blanc qui prend Frédéric de Klerk qui met vice-président et Afrique du Sud dérapé. C'est-à-dire que à un certain moment de l'histoire, faut nous connaître ça pour nous faire pour nous sortir en bas ça yo pour nous aller plus loin. Si nous étions dans la même position, nous pas chita à tel monde, nous pas faire des alliances. Moi même je dois choisir par le gouvernement parce que moi pense que si mon gouvernement faut me faire bagarre sérieux, si moi son continuité me pas la donne. Mais moi penser que consensus là extrêmement important parce que si nous pas fait consensus là n'a toujours été dans niveau nier et peuple après nous responsable. Ah oui, parce que nous sommes des leaders. Et dans certains moments les leaders doivent prendre des décisions et moi penser que international là doit aider nous dans moment prendre des décisions haïtiennes au lieu d'imposer parce que imposer a mener nous sûrement dans le débat. Sénateur La Tortue, maintenant puisque nous avons la question consensus, par contre, il y a combien de phases de consensus qui sont là-dedans, mais phase nous avons considéré comme la formation du gouvernement, ça a passé puisque le corps groupe a réagi et maintenant il y a un premier ministre avec un ensemble de ministres. Le corps groupe a imposé un gouvernement. Voilà. Maintenant, qui est le maître du quel avenir dans quelle phase de consensus a été fait entre les Haïtiens, puisque déjà ils ont refusé une solution qui était tout près. Ou peut-être un bagage qui était peut-être selon même positif. Maintenant, quand vous refusez et vous imposez un nouveau gouvernement avec une feuille de route que peut-être vous même défini. Maintenant, qu'il y a qui l'autre phase dans la bataille, ou pensez que vous avez un consensus qui est capable de faire? Bon, je suis en bonne position, qui n'est pas encore la position de l'opposition. Parce que, comme Haïti en action, nous avons une position, nous allons discuter avec l'opposition. Et peut-être qu'il a changé, il a discuté. Voici notre position. Pour moi, il y a une partie de l'exécutif qui est existant. C'est le Premier ministre Ariel, que nous ne pouvons pas partager du tout, ça le fait dans le gouvernement. Je crois que selon la Fédération des barreaux, il dit qu'il compte l'exécutif monocéphale, il est pour un exécutif bicéphale. Moi-même, je pense que l'opposition doit se mettre ensemble pour avoir justement un président provisoire. C'est-à-dire, à partir du moment de l'installation du président provisoire, on a un exécutif bicéphale. Et il faut refaire le gouvernement. Il faut refaire le gouvernement. Mais avant de refaire, il faut avoir cet accord qui dit, voilà ce que va faire ce gouvernement. Moun qui voulait partir, qui voulait rentrer la donne, ça ne peut pas préparer l'élection. Mais je crois que qu'il faut compléter et l'exécutif et refaire ce gouvernement. Il faut... On va dire qu'on vient à peine de commencer, puisque vous faites installer pour non, ce n'est pas un gouvernement de consensus. Pas un gouvernement pour repartir avec le ministre de Justice, ministre de Santé, PHTK. Non. On peut repartir avec du neuf, c'est-à-dire PHTK neuf, mais pas avec des gens que nous-mêmes personnellement, nous ne pouvons pas bien. En prenant le ministre de Santé. Bon, il y a 56 millions de dollars qui dépassent. Moi, je fais une enquête, moi, je vois que dans 56 millions de dollars, il y a plus de 40 millions qui mal dépassé. Et puis je dis à mon ministre. Comment on dit, sénateur? 40 millions. Ah oui, parce que plus fort matériel qui est venu, nous devons venir dans l'avion. Ce n'est pas matériel qui est en aide, oui. C'est de 40 millions qui mal dépensé dans 56 millions. Dans 56 millions de dollars qui sont là.
Mandez professeur combien de gouttes joignent aux écoles privées. Je t'ai débloqué 1 milliard de gouttes pour eux. Mandez combien de monde qui te joignent question 3000 gouttes journal de dire. Non, son pas une enquête qui est bien déterminée. Bon, on va le ministre qu'on y a qui va chiter même côté ministre santé. Donc, moi, je vais ça. Ah.